qui est vraiment touchant, c'est de voir que le contenu que j'apporte est intégré, parce que certains jeunes vont poser des actions à la suite de mes ateliers. Donc, j'ai vraiment l'impression d'aider, j'ai vraiment l'impression de faire une différence. Je suis conseillère dans un organisme à Montréal. Je donne des ateliers tant aux jeunes qu'aux adultes. On va parler avec les jeunes de la cyberintimidation, de la cyberprédation, de la vie privée sur Internet. Avec les adultes, on va parler des mêmes thèmes, mais on va revoir aussi un petit peu ce qui est la criminalité sur Internet pour prévenir, pour en avoir conscience et éviter de tomber dans des pièges. Par exemple, la fraude amoureuse, tous les types de fraudes qu'on peut connaître. De la manière que je vais apporter mon contenu à des ados versus à des personnes aînées n'est pas du tout le même. À des ados, il faut se tenir informé des dernières tendances, des derniers jeux à la mode, des dernières applications à la mode. Parce que si on leur parle de Facebook aux jeunes, par exemple, on est catalogué comme étant un vieux, puis ils nous écoutent plus. Tandis qu'avec les personnes aînées, c'est un peu plus de défi parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils connaissent nos mots-clés, qu'ils connaissent notre vocabulaire. Des fois, il faut éclaircir des thèmes aussi simples qu'un spam ou une adresse IP, qu'est-ce que c'est, ou de la fraude, qu'est-ce que ça veut dire. De la fraude, c'est plus forcément de recevoir du courrier par la poste. Mes ateliers en prévention s'adressent plus à des citoyens, mais les entreprises ont énormément de besoins aussi pour mieux appréhender ce qui va arriver, pour être plus à l'aise dans leur milieu et pour être tenues à jour constamment parce que ça bouge tellement vite. Le jour où est-ce que j'ai su que je faisais la différence, c'est lors d'une seconde visite dans une école secondaire. Une étudiante que j'avais vue en atelier une semaine avant est venue me voir et m'a dit que grâce à ce que vous nous avez appris, madame, j'ai changé mes paramètres de confidentialité sur mes réseaux sociaux parce que maintenant je comprends ce qui est en jeu. Et c'est là que je me suis dit, mais ça a fait son petit bonhomme de chemin. Ce que je trouve vraiment intéressant dans le domaine de la cybersécurité, c'est que ce n'est jamais la même chose. C'est toujours différent d'une fois à l'autre. C'est que c'est un métier d'avenir aussi. On tombera certainement pas sur le chômage dans les prochains temps et qu'on est entouré d'une belle famille des personnes qui sont vraiment passionnées.